Frédéric Mitterrand, pour finir, c'était, il était tellement, ils étaient tellement à l'aise, tellement sûrs que tout ce qu'ils faisaient ne serait resterait impuni, qu'ils pouvaient raconter même les choses les plus horribles qu'ils ont faites dans leur vie. Et c'est, il avait donc écrit un bouquin, parce qu'il a écrit plein de bouquins. Moi, j'en ai lu aucun, et je pense que beaucoup de gens n'en ont pas lu, parce que bon, il était pas un mec très intéressant. Et dans son livre de 2005, Mauvaise vie, il racontait sans gêne ses expériences avec des jeunes garçons donc en Thaïlande, donc pour du, il faisait du tourisme sexuel en Thaïlande. Le mec, voilà. Et là, aujourd'hui, tout le monde va l'applaudir, dire que c'était un grand homme, etc. Parce que bon, c'est vrai que les Thaïlandais, on s'en fout, nous, en France. Ah, ils vont pas bloquer nos autoroutes et faire des manifestations. Donc le tourisme sexuel de Frédéric Mitterrand en Thaïlande, ça, mon pote, c'est pas grave, on le classe, on se dit oui, il était controversé, voilà. Et pendant plusieurs jours, on va l'applaudir, peut-être qu'on va lui trouver une place au Panthéon à lui aussi. Tu vas entendre tous ces gens qui sont tous ceux qui ont permis à tous les monstres de je sais pas quoi, de tripoter les gonzesses sur les plateaux de télévision, de les sauter, les prendre partout les trous, etc. Tous ces gens-là, tu vas les entendre, là, ils vont applaudir, faire des hommages, oh là là, bravo, merci pour ton œuvre. C'est quand même un truc complètement dément. Mais quelqu'un peut-être dira, bon, il faut qu'on arrête de faire mousser le mec qui faisait du cul, du sexe avec des jeunes garçons en Thaïlande, peut-être qu'il faut qu'on ferme notre gueule et voilà, qu'on dise à la famille, écoutez, j'espère que vous vous en remettrez, bon courage, et puis voilà. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.